Les célébrités, qu'elles soient comédiens, chanteurs ou musiciens, sont souvent victimes de ce genre de mésaventures. Des internautes malveillants utilisent leur image pour tromper leurs fans. Ce phénomène touche aussi les personnalités publiques, comme la journaliste Anne-Sophie Lapix. Dans sa story Instagram du lundi 12 août, l'animatrice de 52 ans a mis en garde ses abonnés contre une arnaque. Sur un fond noir, elle a écrit « Attention, je n'ai pas de nouveau compte en Solapix. » Elle a précisé qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité. Un compte avec un nom très proche du sien, à deux lettres près. Il est donc crucial de vérifier si la personnalité publique a un badge bleu à côté de son nom sur les réseaux sociaux. De nombreuses stars ont un compte vérifié et authentifié par Instagram, ou X, prouvant qu'il ne s'agit pas d'un compte fan ou d'un imposteur cherchant à profiter de leur notoriété. Les autres comptes, même s'ils ont un nom similaire, parfois avec une lettre de différence ou un point ajouté, sont souvent des faux, qui repostent simplement les photos de la célébrité. Pour éviter que leurs abonnés ne se fassent avoir, des personnalités publiques, comme Anne-Sophie Lapix, ont déjà alerté leurs fans. C'est aussi le cas de Thomas Dutronc, fils de Françoise Hardy, de l'actrice Marie-Lou Berry, fille de Josiane Balasco, de Florent Pagny, ou encore du chanteur Patrick Bruel, pour n'en citer que quelques-uns. La meilleure solution reste de signaler le compte usurpateur pour que la plateforme le supprime avant que des fans ne tombent dans le piège. Certains internautes ont en effet été dupés et ont versé de l'argent à leur idole, alors qu'il s'agissait de personnes mal intentionnées profitant de leur détresse ou admiration. Une grande fan de David Hallyday a révélé avoir été escroquée par un anonyme se faisant passer pour le fils de Johnny, lui extorquant plus de 40 000 euros en lui faisant croire à une relation amoureuse. De quoi indigner le père d'Ilona, Emma Smith et Cameron, qui a appris cette manipulation lors de son passage dans l'émission Click en mai dernier.